utilisateurs de partager des photos, des vidéos ou de faire de nouvelles connaissances. Charmée par le fait de pouvoir communiquer avec mes amis quand bon me semble, connaître les actualités de mes proches. Et on ne fait que communiquer avec d'autres personnes, malgré qu'ils sont à côté de nous. Donc, si vous offrez l'opportunité d'avoir n'importe quelle information en temps limite. Professionnel, privé et même scolaire. À vrai dire, c'est une toile qui se tisse autour des utilisateurs. Aujourd'hui, ne check pas son compte Facebook, YouTube, Twitter et autres. Donc, il est évident que les avantages de ces réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et cause une diminution de travail. Je ne nie pas que les réseaux sociaux ont plusieurs avantages pour ceux qui savent les utiliser. En tirer profit, prendre l'information de bonne qualité. Faciliter la communication. Réduire la distance qui s'interpose entre les personnes éloignées. Mais comme pour toute bonne chose, il y a certainement un revers quelque part. On peut citer l'addiction. Mais aussi de grandes entreprises qui ont compris que ces réseaux sociaux donnaient à leurs produits une plus grande visibilité. Et de rester en contact avec les proches et ainsi de manière beaucoup plus facile. Et commercialisation, pub, recherche d'embauche, etc. Sont-ils vraiment nos amis? Ils sont des énormes jeux de rôle. Pour conclure en beauté, on peut dire que les réseaux sociaux sont incontournables. Mais ne serait-il pas plus raisonnable de profiter de notre temps pour bien l'exploiter dans des activités plus éducatives?